y a beaucoup de similarités entre le plongeon et les concours canins. Parfois, tu peux exécuter un plongeon qui est merveilleux, mais les juges vont te pénaliser pour des petites choses que toi, tu n'as pas nécessairement vues ou que tu n'as pas nécessairement senties. C'est la même chose dans un concours de beauté où est-ce que le juge, quand tu embarques dans un concours, tu ne sais pas ce qu'il recherche à 100%. Un chien est à la base jugé sur un standard de beauté de sa propre race. Moi, le chien que j'ai, c'est un chien qui demande énormément de préparation, beaucoup d'heures sur une table de toilettage. Moi, c'est ce que je considère comme étant de l'art. Toutes les poils doivent être placées à la bonne place. Tu vas utiliser des trucs pour faire en sorte que ton chien ait de l'air plus ébouriffé ou plus large de poils. T'as-tu regardé comment le juge était? Y a-tu analysé le chien? J'ai trouvé qu'il l'avait regardé pas mal, même sur le... C'est bizarre parce que sur le stack, il était pas si bien placé que ça, mais il l'a quand même pas mal regardé sur le stack. François est venu au monde. On avait déjà 3 chiens de compétition, donc ça fait partie de sa vie depuis toujours. Toi? Mais... Ça a bien été? Juste le positif. Oui, c'est ça. C'était correct. Bon, oui, c'était correct. Dans le tour, il faut que je ralentisse aussi parce qu'il a souvent tendance à comme vouloir me coller après. Fait que là, il est comme tout croche, mais en ralentissant, il va sûrement comme réussir à être un peu plus droit, plus solide. Fait que là, je vais pouvoir le placer plus facilement. Un petit garçon, vas-tu bien faire ça? Et puis pour François, honnêtement, je peux pas parler pour lui, mais je sais que ça le fait beaucoup décrocher du plongeon puis de tout le stress qui entoure aussi là, sa vie d'athlète de haut niveau. C'est une personne qui est très compétitive, mon fils, là, fait que dans le monde du chien, ben ça remplit un peu ce besoin-là chez lui de compétitionner. Les concours canins, même si c'est parfois très exigeant, même si j'ai pas nécessairement le temps de me reposer, ça me fait passer tellement de temps de qualité avec ma mère puis avec mes chiens que pour moi, ça en vaut la peine, même si c'est à des heures et des heures de route. Ma mère et moi, on a déjà réfléchi à, après ma carrière de plongeon, partir un an, partir à travers le Canada et présenter Salto afin d'accumuler des points le plus possible pour qu'il fasse partie des meilleurs chiens au Canada. Puis avoir la chance de juste décrocher à 100%, voir ça comme étant une manière de prendre ma retraite du monde du plongeon. Ce qui est intéressant avec Salto, c'est que s'il se développe comme il est supposé de se développer, dans un an et demi, il va être super prêt. Donc on pourrait peut-être partir à l'aventure un 6 mois et juste faire le tour du Canada avec notre chien.